Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Fragix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée en live sur Call of Duty Black Ops. Alors on va tout de suite lancer une mêlée générale. Alors faut savoir que c'est un mode de jeu que j'ai pas beaucoup joué sur Call of Duty Black Ops. Par contre, quand je jouais à Code 4, c'était mon mode de jeu préféré. Je jouais exclusivement dessus. Sur Code 4 j'ai fait quoi? Deux parties en recherche et destruction avant d'être au niveau où je suis maintenant. Et avec Ecstasy, donc c'est un ami de longue date, on faisait que des mêlées générales et en fait on faisait les gros campeurs. Donc c'est à dire qu'on cherchait le meilleur spot de la map. Ensuite quand on l'avait trouvé, et ben on y allait, on posait des claymores aux entrées et on foutait que des hardscopes aux mecs qui passaient quoi. Mais on faisait que ça. Après des fois on faisait des parties au AK-47, 74, tout le bordel. Mais on campait, on restait dans un coin là où il y avait beaucoup de monde qui passait, etc. Donc c'était mon premier Call of Duty aussi, faut pas m'en vouloir, j'étais un noob, je peux l'avouer quand même. Et même au début de Modern Warfare 2, je jouais assez similairement. Après, évidemment, j'ai découvert les quickscopes et j'ai vraiment appris à mieux jouer. Donc, quand je pense mieux jouer, je veux dire de pas camper ni booster tout le bordel. Moi, pour l'instant, je suis assez content de mon niveau. Tiens, on va prendre le Galil silencieux. On va muter les Kekos. Dédicace à Addict Ecstasy qui fait le championnat du monde des mutages de Kekos. Je suis sûr que tu vas gagner à la vitesse où tu le fais. Bon, y'a personne. Ouah, si, bah. Ah, qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Combien de Kekos dans la partie? Il y en a 1, 2, 3. Ouais, il y en a 3. Donc 3 qu'on dû avoir le jeu à Noël. Ah, qui coule à mon papa, il me plaît le jeu. Et merde. Alors, faut savoir que je suis pas chaud non plus. Hein. C'est ma première partie. Il est 21h57. Et. J'ai pas joué depuis 21h56. Non, je déconne. J'ai pas joué depuis. Ouais, quoi. 19h. Donc voilà. C'est bien tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je voulais parler d'autre chose. Oui. Donc toi, je vais t'avoir par contre. Voilà. En plus, en headshot. Oui, donc je voulais parler du couteau. Alors, depuis la mise à jour 1.04. Il me semble, un truc du genre. Le couteau a la portée. Non, je t'ai pas vu. Le couteau a la portée d'un coupon. Non, mais sérieusement, mais vraiment, un coupon. Et encore, je suis sympa quoi. Ça a la portée de rien du tout. Ouais. T'es là. Viens, vas-y, vas-y, viens, 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 s'il te plaît. Allez, je suis en commentaire, il a. Viens, s'il te plaît. Viens, allez, viens. Allez, tu fais chier. Ah, il est tombé ou quoi? Non. Est-ce que je le tente? Oui, je le tente. Petit Kekos. Tiens, j'ai débloqué mon colistrate. Alors, comme j'ai passé mon prestige, j'ai plus. J'ai plus la capacité de changer le contenu de mon colis stratégique. Alors, oui, je parlais du. Je parlais de la longueur de portée du couteau. Donc c'est vraiment un coupon. Autant au début, quand il n'y avait pas de patch, quand j'ai eu le jeu, d'ailleurs, fuck, au début du jeu, à la sortie, donc moi je trouvais le couteau qui passait bien. Il avait pas une trop longue portée, donc il faisait pas des commandos. Mais en même temps, t'avais quand même une bonne portée, une portée réaliste, j'ai envie de dire. Alors que là, depuis le patch qui ont réduit la portée du couteau. Ouah. Fais chier. Fuck. Ah bah si, j'ai tué. Alors ça aussi, huile sur le feu. Il le sort d'où, je sais pas. Suicide assisté, ça allait pas franchement. Que là, huile sur le feu, ok. T'as fait quoi? Bah j'ai fait un huile sur le feu, j'ai switché d'armes comme un con. Voilà. Ouais bon, j'ai un bon ratio pour l'instant, ça me convient bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon hélico. J'ai jamais joué au Galil silencieux, j'ai fait peut-être quelques parties vite fait comme ça.
Mais pas vraiment, et je dois avouer que c'est quand même pas mal. Il y a, même avec le silencieux, il y a une bonne puissance apparemment. Ok. Alors pour les killstreaks que j'utilise, alors là c'est les killstreaks normaux. Donc c'est-à-dire radar, colistrat et hélico d'attaque. Donc cobra. Et ben je pense qu'en mêlée générale c'est ça doit être une des meilleures configurations. En tout cas ce qui est important c'est le radar. C'est vraiment l'atout. Oui, le killstreak à avoir en mêlée générale. Ben de toute façon vous êtes tout seul donc genre je t'ai pas vu. Oh l'enculé. Ah des munitions, tout ça pour ça. Je peux pas y changer. Bon je vais y prendre quand même, en plus il m'en restait pas beaucoup. Voilà, un deuxième cobra. Bon bah, je dois avouer que c'est pas une mauvaise partie hein. Surtout que j'en ai. C'est quoi? C'est ma troisième partie en mêlée générale sur Black Ops. Bon on va pas cracher dessus hein. Il y a des killcams finales je suppose, oui. Ça s'est pas perdu. Bah je tenterai un quickscope, tiens, pour vous faire plaisir. Enfin déjà faudrait que j'y arrive à... faudrait que j'arrive à 1450 avant la fin du temps imparti. Ce qui est pas forcément facile. Ah, bah toi je t'ai. Un double meurtre. Tiens, T-Bug, tu l'as mérité, sale campeur. Ah oui, et récemment aussi j'ai vu une vidéo de Monsieur Levé 12, je crois que ça se prononce comme ça. Et franchement, il explique, mais eh merde, putain. Il explique super bien le gameplay qu'il fait et tout. Il explique les stratégies, les déplacements à faire, tout ça. Et il le fait vachement bien. Ça, moi, j'y regarde pas en tant que noob. Je regarde pour avoir une vision différente de la mienne. Ouh, ça part de... Ok. Alors lui, attends, il m'a mis un commando. Il m'a pas mis un commando à la sérieux. Ouais, c'était un mini commando, on va dire. Bon, allez, faudrait que je fasse plus de kills. Voilà, toi t'es mort. Pour en revenir au snipe, c'est vraiment abusé le système maintenant. Même pour faire des hardscopes, c'est difficile. Et les hitmarkers, ils sont omniprésents. Bon, ok, celui que j'ai mis dans mon fucking hitmarker épisode 2, c'est pas le. Et voilà, portée d'un coupongle. Oui, mon fucking hitmarker épisode 2 là, bon ok, c'était pas un... C'est juste qui surtout qui m'a dégoûté. Parce que je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici, j'ai tiré complètement au pif. Bon, j'arrive pas à monter la fenêtre par contre. J'ai tiré complètement au pif et ben. Ok, je pense pas qu'il passait quand même. Hein. Je lui ai peut-être tiré dans la jambe et tout, mais j'aurais préféré rien avoir en fait. Parce que là, ça m'a franchement dégoûté. Un bonoscope tenté comme ça. Et merde. Putain, je le déteste lui. Putain, je vais pas arriver. Voilà. Et voilà. Donc ça me dégoûte vraiment les hitmarkers en ce moment. Donc je suis à 1150. Ouais. Il va falloir que je fasse 6 kills assez rapidement pour essayer de vous faire un quickscope en killcam final. Toi. Merci. Toi aussi. Ouais. Le radar de l'autre, ok. Ok, mec. Eh merde. Allez, plus que 4. Ça va. Je vais y arriver assez facilement, je pense. Alors, oui, depuis Noël, il y a quand même pas mal de kikoulol m'ont pas MP le jeu. C'est franchement dégueulasse. Franchement, ils pourrissent la commune. Enfin, ils pourrissent la communauté. La communauté, elle est déjà pourrie. Qu'est-ce qu'ils peuvent la pourrir encore plus? Ils pourrissent le jeu en fait. Putain, je l'ai eu. C'est bon. Il est où le mec? Là. Là, j'avais pas assez de munitions. S'il te plaît. Il est encore là le mec. Oui. Wow, alors j'en suis à 1400. Ok, alors on va tenter. Dans un kill, donc c'est-à-dire lui. Merde. Faut que je le louche, voilà. Est-ce que je peux péter avec ma Semtex? Oui. Donc je prends ma classe du Pro Game Master, de la mort qui tue, qui défonce tout, qui s'appelle pas Kevin. Et je vais m'arrêter là. Alors, je sais pas si je tente... Ouh. Ok. Alors ça aussi, ça me saoule vraiment. Je suis caché. Et il me tue. Bon, il m'a mis un FMJ, donc ça, je veux bien y croire, mais... Pff,
ça m'a assez dégoûté là. Voilà, Quickscope. Magnifique. Sur Black Ops en plus, c'est extraordinaire. Je lui mettrais dans ma frag movie, tiens. Non, je déconne, c'était pas énorme, mais bon, c'est un Quickscope quand même. D'ailleurs, en killcam final, il va. Je pense qu'il va apparaître comme un hardscope. Ah non, même pas. Pas du tout. Bon, bah voilà, on termine sur cette killcam. Je voulais faire un peu de pub à mon coéquipier de la Team Addict. Enfin, de l'ancienne Team Addict. Je vous fais une vidéo annonce juste après. Oui, donc je fais de la pub pour Frozik. Alors allez voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la description, il le mérite. Alors merci à tous de m'avoir écouté. Et puis on se dit à bientôt, salut. Et bonne année 2011, j'allais oublier. Bonne année 2011 à tous mes abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui aiment ce que je fais. À tous ceux qui aiment ce que je fais, voilà. Salut. RC des alliés en approche.